Le yoga du sommeil. Le yoga nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Aidez-moi à financer ce podcast indépendant en devenant contributeur/contributrice sur Patreon. En échange, vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs. Rendez-vous sur patreon.com/atelierlacanopée. Un immense merci aux nouveaux contributeurs: Dominique Froment, Sophie Baudin, Sébastien Derouane et Carole Godet. Bonjour et bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra pour vous aider à trouver un calme intérieur et à relâcher le flot des pensées. Je vous invite à vous préparer pour la pratique du Yoga Nidra, à utiliser tous les accessoires qui pourraient vous aider à trouver plus de confort, tels qu'une couverture, un coussin sous les genoux, sous la tête. Vous pouvez également prévenir votre entourage de ce temps de calme pour vous, ainsi que de la durée de cette séance. Une fois que vous êtes installé en position allongée ou bien assise, je vous invite à relâcher les bras, les mains, les doigts. Relâchez les jambes, les pieds, les orteils. Relâchez tout le visage, la nuque, la gorge. Relâchez la poitrine, les épaules, le ventre et tout le dos. Maintenant, je vous invite à placer l'attention sur le bout de votre nez. Et dans un premier temps, à sentir le passage de l'air qui rentre par le bout du nez et qui ressort par le bout du nez. À être pleinement présente, présent à ce flot de la respiration. Et à compter comme ça 8 respirations. 8 respirations en sentant pleinement le passage de l'air qui rentre et qui ressort. Et si, dans ce temps-là, des pensées surgissent, je vous invite à en prendre conscience, à prendre conscience de ces pensées, même du type de pensée dont il s'agit, et à revenir au décompte. Comme ça, 8 respirations. Puis laissez filer. Avez-vous remarqué
un type de pensée particulier? Avez-vous eu des pensées en lien avec un aspect relationnel ou émotionnel de votre vie? Avez-vous eu des pensées liées au travail? À la partie plus organisationnelle peut-être de votre quotidien? Est-ce qu'il y a des pensées qui reviennent sans cesse? Ou des pensées en lien avec vos sensations physiques, vos sens? Absolument sans jugement, vous pouvez noter le type de pensée qui vous anime aujourd'hui et en cet instant. Et le simple fait de remarquer ces pensées vous permet de vous ramener à vos sensations, à la voix, à la respiration, peut-être encore à la musique de cet enregistrement. À partir de maintenant, je vous invite à faire grandir une sensation de calme à l'intérieur. Et inviter une tranquillité d'esprit à prendre place. Chaque fois qu'une pensée surgit, avec beaucoup de douceur, presque tendresse, amusement, revenez aux indications, à la voix, à vos sensations, à la musique peut-être. Et chaque fois que ce mouvement se produit, invitez à la place une sensation de calme intérieur, de tranquillité d'esprit. Et maintenant, avec toute votre attention, vous pouvez vous placer sur le point entre les sourcils, à pleinement ressentir cet espace qu'est le point entre les sourcils, et maintenant le centre de la gorge. Maintenant, concentrez-vous pleinement sur l'épaule droite, peut-être la sensation du coude droit, du poignet droit, à sentir pleinement les 5 doigts de la main droite. Avec toute votre attention, concentrez-vous sur la sensation maintenant de l'intérieur du poignet droit. Vous pouvez sentir l'intérieur du coude droit. L'avant de l'épaule droite. Et revenir à 100% sur cet espace qu'est le centre de la gorge. Maintenant, placez-vous sur l'épaule gauche. Avec toute votre attention et douceur, placez-vous sur le coude gauche. Le poignet gauche. Les 5 doigts de la main gauche. La sensation pleine et entière des doigts de la main gauche.
et placez votre attention maintenant sur l'intérieur du poignet gauche. L'intérieur du coude gauche. L'avant de l'épaule gauche. Replacez-vous au centre de la gorge. Côté droit de la poitrine. Côté gauche de la poitrine. Centre de la poitrine. Le nombril. Le bas-ventre. Le plancher pelvien. La hanche droite. Le genou droit, la cheville droite, les cinq orteils du pied droit, la sensation des cinq orteils du pied droit, puis à nouveau la cheville droite, le genou droit, la hanche droite, le plancher pelvien. Les sensations de la hanche gauche, le genou gauche, la cheville gauche et les cinq orteils du pied gauche, les cinq orteils du pied gauche. La cheville gauche, le genou gauche, la hanche gauche, le plancher pelvien, le bas-ventre, le nombril, le centre de la poitrine. La gorge, le point entre les sourcils, le point entre les sourcils, puis de nouveau placez l'attention sur le bout de votre nez et vous pouvez sentir l'air qui rentre et sort comme ça 8 fois, 8 respirations. Et si vous perdez le fil avec douceur, revenez au compte, à la sensation de l'air qui passe. Laissez filer le compte. Gardez uniquement la sensation de l'air qui passe par le bout du nez.
l'air qui rentre et sort, la sensation du corps qui respire et qui repose sur le support choisi, dans l'espace dans lequel vous êtes. La sensation et la conscience de faire partie d'un ensemble, d'un espace, d'un tout. Laissez grandir une sensation intérieure de calme, de tranquillité d'esprit. Et puis sentez le ventre, la poitrine, le dos, tout le tronc, les bras, les jambes, tout le visage, la nuque, la gorge. Et préparez-vous à revenir tout doucement, à vous étirer peut-être, à bâiller, à souffler, soupirer. Revenez à vous tranquillement, en invitant ce calme intérieur à se prolonger au cours de votre journée et à revenir chaque instant aux sensations du corps qui respire, du corps en mouvement, du corps qui parle. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, mettez-lui des étoiles et des commentaires sur votre application. Pour m'aider à financer le podcast, rendez-vous sur patreon.com/ateliercanopée. Et pour aller plus loin, j'organise des formations et des retraites de yoga. Retrouvez tous les détails sur ateliercanopée.com. À bientôt.